Surtout ça qui te yotene parce que piège n'y a le faux qui dit, piège n'y a le faux qui dit, mais fala non haraï. Qu'on démêle le vrai du faux et de Marikadi, on aura un invité qui va être là. Justement, le deuxième point, Aljimbari, salutations frère, salutations à toi aussi mon frère Aljim. Le deuxième point, c'est concernant justement la désignation de Monsieur Kassori Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel et le tollé qui a suivi la vidéo d'hier de la rencontre des basses, des sages de la basse-côte. Les réactions qui sont là. Donc, on a voulu démêler le vrai du faux pour que vous compreniez réellement de quoi s'agit-il en ce moment parce qu'il y a beaucoup de panique et ça commence déjà à aller dans tous les sens. Ibrahim Abba, Sierra Leone, Araïmissal Minima, Mariama Diallo, Ware Bari, Sakite, on est à 1000, même Yeti, objectif, on s'agouangandelo. Il y a Efaibe Habib Batouba, oui, mais il indique 1000, il y a 1000 personnes, mais il y a 1000, on a un objectif, mais on a un foot à des turning. Qu'on a ça qui était moi et au terrain parce que piège faut quitter, donc il faut aller à rien dire. On ne veut pas tomber dans les mêmes pièges parce que la machine de propagande, excusez, de division et de manipulation a encore été activée. Nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs que les mêmes erreurs du passé. Inch'Allah, nous n'allons pas les répéter. Vive le Frappa, vive la communauté guinéenne tout entière, notre Tola nationale. Oui, je suis là. Sakite, voilà, on est à 1200 personnes, donc on va commencer. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين اماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هاري موسي بيبي kala wonaɓe tinto dede ka ɗerol meɗen ɗo toli moɗon ka tolla e ngol ɗerol wiyetegol hakkil faamu e pinal hande ɗo kadi haray en heeɗintini yewtere meɗen ɗen ɗon nous souhaitons la bienvenue à tout le monde où que vous soyez qui que vous soyez en ce moment sur cette planète des quatre coins cardinaux et des cinq continents du monde nous vous disons bonsoir et la bienvenue sur notre page o yiɗo hande kon ɗum woni ko annonsuɗen ɗo fuɗɗagol yewtere meɗen nden e wiɗe mari hande toɓɓe ɗiɗo e kuntoye Elage Oumar Balde on fop on salminama Moubarao Rebou Moubarao Tantou womubala won wali sa woɓe tantuna ala nambe wumbara ñagalin kifay voilà donc aray on faami ɗo kon waɗi sin fuɗɗori ni yewtere nde andi ko on to fokkitirɗen haray mi salmini ɓe telmini ɓen thionthiang guguie compéta et cetera mi salmini ɓe leluma ɓen heeri ko tarantougue keñewla mi salmini on mi salmini ɓe kubiya ɓen précisement ka wiyete ɗon paale ɗon ko e nder basara on mi salmini kañum kadi ɓe linguelande mi salmini ɓe bamikouré précisement kadi daru mum mi yeggitali kañum kadi kindiya ka wiyete ɗon samum kiri maɗo wiyen carrefour samaya mi yeggitali kañum kadi ɓe fore kariya ɓen benti benna moussaya kabaki et cetera haray onon ɗo fof on salminama Moubarao Rebou wotan conakry méré wotan basse-côte méré Moubarao Rebou tantuyna ala ɓe kono Moubarao séné haray on faami ɗo mi jiruro ɗo kañum kadi précisement les yansané les touré les keta les sankon les bangoura Précisément parlant de Bangoura, je vais profiter pour saluer mon frère et ami Boundès Bangoura. Je n'oublie pas le seul Camara pour lequel je fais un garde-à-boue. Il s'agit de mon frère Malik Camara aujourd'hui, qui est en train de me regarder présentement et qui a quitté les États-Unis pour se retrouver du côté de l'Europe où se tient en ce moment la rencontre des vrais Sosoka. Les enfants, les natifs et les ressortissants de la basse-côte, ceux justement aussi de Moria, parce que la basse-côte c'est vaste, c'est large. Nous les saluons et nous les souhaitons la bienvenue sur notre page. Partagez très bien le direct parce que c'est important ce que nous allons dire et c'est important que vous soyez là pour comprendre et démêler le vrai du faux. Lorsqu'on est en train de vous manipuler et vous faire croire que Yaï
balancement où il y a, comme le disait l'autre, ton conteneur il balance quelque part. Mais fa la yon jinti to mo ya yotere ne don fop are. No dite jama on are do are do are do. Hala yalti, video yalti mo wondon e yu de fe ondo do bonno do hakki le yimbe. Je veux que vous venez ici, approchez-vous, parce que nous allons vous donner la vraie version. Nous allons démêler le vrai du faux. La basse-cote, ce n'est pas que les sous-sous, ce n'est pas les malinqués, ce n'est pas les peuls, ce ne sont pas les forestiers. C'est la Guinée tout entière qui se retrouve en miniature en basse-cote. Ça, c'est un. Et la basse-cote, ce sont ceux de Samaya, ce sont ceux de Moréa. Ce sont ceux, etc., etc., Bouramaya. Ça, c'est la basse-côte. Sans oublier que dans ça, là, il y a des peuls qui sont là, il y a des soussous, il y a des malinkés. D'ailleurs, les Moriaka, ce sont des Mandenka qui sont venus s'installer, qui ont élu domicile en basse-côte. Donc, ne rentrons pas dans ce jeu de division-là. Calmons-nous, et nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, venez, 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 on est à 1900 personnes. Haray jama, toperi di marden do de wonden e yewtude. Toperi aranerden e wi ko koko tawi kon element be force spéciale on ki be do no acquitter de joni timmi yontere gibi o ordre yaltudo sa ki te moƴƴa yewtere nde mi jeji on o ordre yaltudo do inno do wonde ma be do no liberede ko ndu no waɗi han joni hadi be libere. Ko ɗum ɗo woni haray ko min jaaboto on ɗo mi torike non Allah taw ɗo ko kanko newnani en hande kadi en fotti to ɗo no wowirɗe non yo newnani en kadi seeden ɗo e hoore jam ɓerɗe yimɓe ko tawata hino duppi kon hino ƴawi mi torike Allah yo Allah sabindinan nde miɗo iwa ɗo ndeɗen seeda ɗo hara ɓerɗe moɗon tippike on wawi sennidirde ko woni gonga e fenade ko ɗum woni manipulation ko ɗum woni vérité o haray mi yaafino e moɗon yontere feƴƴunde nden ɗo ay miɗo e déplacement on yi mi wawawi wadde direct entre samedi et dimanche ɗo o ɗo aray on wawa noon faamude ɗo justement bintara mi salminima mi salmini kañum kadi Kadija Darum mi salmini kala wonɓe daarude en ɓen ɗo fiye waw sennidirde kon ɗum haray fewndi no mi wiri noon mi toriki Allah yo hawrindinan e sawaba e ko mo woni e yewtude ɗo kon mi wuufa o wuufinan mi konko ɓuri e moƴƴude mi yewta on onon kañum kadi e no ɓuri fewirde noon onon kadi nanon faamiron no ɓuri e moƴƴirde noon ko nafata en aduna e lahara si ɗum ɗon no waɗi haray yetten Allah ko kanko woni haray ko moƴƴi e meɗen mi wawi yewtude ɗum ɗon si ko axe muɗum kadi haray waɗi ande haray ko seytani woni ko faljini mi torike noon Allah yo woɗɗinmo e ɓerɗe meɗen ɗen yo woɗɗinmo kañum kadi ka jonde meɗen ɗo amin ya Allah haray kon direct un ɗo hiɗen yawnude kon tinna tinna noon haray ɗe gandi ɗo en yi ko ko tawata kon haray yalti fewndo ɗo ko jaali moƴƴa noon kono ɗo en hewtude ɗum ɗon tawa faame moƴƴa hiɗen détourner des essentiels on fait fa fait justement kono no woni on fait wonɗo e arde ɗo fait na ran fa fait na ran koreri fait na ran yabari gileri mu famana dante gera baade o be ɗo nano moƴƴa o yi soso yande tuma mi fuɗɗi mi arde ɗo on fuɗɗi wolde soso haray ande ka on o woni très urgent o woni kadi grave mo tawata on koye watta ila e makko moƴƴa sakite moƴƴa yewtere nde par ce que mi faala en heɓu ɗo 10 000 personnes tawoɓe ɓen nawnare nanguiɓe ɗo fo gueren noon sendite lekkikin ɗo nde no seede ɗo ara ɗe wawi sendidirde ko wanno kon 2010 forêt caria konko waɗano kon entre UFR et UFDG fokkiti waɗugol kañum kadi ɗo entre fulɓe ɓen e sosoɓe ma ko waɗano kon kawo empoisonné ɗum fokkiti ɗo kañum kadi ɓay noon haray ɗum si fokkiti ɗon ko yen darnu fewndo ɗo ko ɗum haray mi faala yon jentito ɗo moƴƴa ko moni o yewde kon mi yewtay ɗo noon ko tawata welata woɓɓe mi yewtay ɗo ko tawata woɓɓe hutitoto mi andina on noon no woodi ko wowlete waɗetake no woodi ko waɗata ko tawata wowletake jentite moƴƴa nde yewtere ɗon heɗitorollan hakkil ka moni e wolde kon walli noon ɓernde moɗon nden to dirno nde to uddi ton hakkille ɗe moƴƴa e noppi ɗin jento ɗon lanko mo woni yewde ɗo kon uddi ton noon kadi guite yeon par ce que womo fenande mum wari haray ko karma ko makko wonno o seedano no moƴƴiri na noon fenande wonɗen e yewtude ɗo kon ɗe yewde kon ko konko tawata noon justement fenande nden fokkiti ko nde wonɗen e darnude ɗo wawon andude ko honto fokkita ma ko honto fewnda ɗo ninini kon ɗum mi faala yewtade en ɗo ko raɓiɗi kon o yiɗo élément ɓe force spéciale on ɓe accitaka alors que noon ɓe innanoma e ɓe accite haala noon yaltiɗo wondema haaɗi ɓe accite ko par ce que woɓɓe no ka yaasi tawoɓe tanke ɓen ɗon ardintinaka taw nder ton ɓe accitetake CNRD est paniqué le CNRD est tout simplement paniqué et ils savent qu'il y a une crise énorme ils savent que la population s'est retrouvée
pour aller sur le même chemin, derrière le même idéal. Mais puisque l'Union des Guinéens, justement, ne fait pas l'affaire du CNRD, cette nébuleuse, il faut détourner l'attention et créer ce qu'on appelle d'abord l'attention, ensuite faire la diversion et faire la division. Nous avons nos compatriotes qui sont bloqués en Ukraine, qui ne parviennent pas à quitter là-bas parce que n'ayant pas les ressources financières et le soutien du gouvernement guinéen. Un, vous devez le savoir. Deuxièmement, en ce moment, il y a des tractations, des pourparlers pour que le gouvernement guinéen envoie des soldats en Ukraine pour combattre du côté de la Russie. Aujourd'hui, la Russie étant en train de subir des débâcles, ils veulent prendre parce que déjà, il faut savoir que nous sommes rentrés, et je ne suis pas en train d'exagérer, dans ce qu'on appelle les prémices d'une guerre mondiale. Vous savez, une guerre mondiale, elle devient mondiale lorsqu'elle commence entre deux pays ou deux territoires, et que ces territoires font ce qu'ils appellent des alliances pour faire participer d'autres pays. Ça, c'est comme ça que les guerres mondiales ont commencé. Et pour ne pas vous faire paniquer, aujourd'hui, si vous voyez cette position du gouvernement guinéen qui n'a pas du tout voulu s'exprimer ouvertement par rapport à la crise entre la Russie et l'Ukraine, c'est parce que le CNRD compte justement sur la Russie comme appui. Et puisqu'ils ne veulent pas froisser la Russie, ils n'ont pas voulu s'exprimer. Et ne sachant pas aussi l'issue de ce conflit, ils ont préféré jouer à un mutisme et à être ambigu. Il faudrait que vous compreniez ça. Donc, je vous dis, en ce moment, il y a une correspondance, un échange de messages entre la Russie et la Guinée pour que la Guinée envoie des soldats qui vont combattre du côté de la Russie. Et si le CNRD le fait, ça va être un gros problème pour le CNRD parce qu'en ce moment, ils auront affiché leur position. Et ne pas le faire aussi, c'est montrer qu'au moment de la difficulté, ils n'ont pas assisté celui-là qui leur a promis un soutien. Comprenez d'abord cela. Donc, si on ne veut pas libérer les forces, les éléments des forces spéciales qui sont aujourd'hui injustement emprisonnés et nous détourner de ce sujet, en manipulant les Guinéens et en faisant croire que ce qui les maintient là-bas, c'est la loi, alors qu'en réalité, ils ont peur, il faudrait parler de ça. Et la crise économique qui est en train aussi de prendre l'ampleur, déjà vous connaissez très bien, vous comprenez qu'avec la crise en Russie, certaines banques ne peuvent pas du tout faire des virements d'argent. C'est ce qui encore retarde le montant des 100 000 annoncés pour les Guinéens. Et au lieu de faire une communication, sortir parler de ça, ils sont en train de créer des tensions ailleurs pour qu'on oublie l'essentiel. Femme et moi, et Jama, faisons le café, on dit prémisse de guerre mondiale, il faut que tu réunisses que fille au Tau, Lady Ding, Winder, et Nenfo, ou Konirai. La Guinée, non, fait un CNRD, on y no yéouti du de Russie, fille et tout gol sori, be itta, be la Guinée, n'a pas ton colou, ou niko, be landa. Pa yon y be andi, be sou sa ta fait ou tingol un do sori, be tau no, be pey dana, ka ben, de ou jata ou salaire gima, be ni. Tau be ben, kanyon ka di déjà prime gima, be go hino nyaw la. Taw di din ka nyun ka di mbou di doa no di nabane de Guinée pe ben kalpe ben deja taw mi profita do. Mi hiwro do fatunde pe Guinée pe di do maybe do. E yi do Guinée njo go taw do ko bloki do ton sabu ko tawa taw awa lumbu de kong o may. Naw nare wari mo. E got do go kanyun ka di taw do may ender o bombard manji do. Di do di di nong haray hino yurmani mo ya lady la Guinée ni feon do tawa taw non gouvernement med engong. Hino suuda de wada ankati mini on négociation fi magol naba soldat be Ukraine fi ko piri do yaton Ukrainien bebe. O yi République Centrafricaine, kambe be holli déjà clairement gonde ma sin na matu be yobe ya hay. Donc Poutine fe on do ino mobilise de ndara ko pays ji hondi e hondi walli to tomo ka gere. Dun do CNRD ino suudi on dun do fe on do. Kander kanji militaire non sori be go andi dun do ino prepari. Hibe nyonyini be habbani be. Ay non be andi be element be force spéciale si yalti do tawti di kadi be monani be ka yasi mo yantabe o do wani be retardi ni yalti gol be do be yalti na nay on non do halaji be inna ko justice o woni ko reteni be nerto bala sa moray no andi taw wano colonel Mamadou Alpha Barry mo soki mo nerto ni ko kanko woni bawo mudu
seenet de no andi do aliya e do ni ni so yi justement non basko to yalti landiti ke beno bebe yaltira dum ngino wonani be fewon do ni wa bullal ma hayre tuma naati e padal ma hara ko mukke a wawata dogudi a wawata yaltinde kajum ko ngino der tongino wontiri be do lajande fino yobe detourno attention on non be divisa kon ko tawata population on non hande kadi nantondiri si nantondiri non kambe moƴƴanaabe ko dum woni ko yaltini non o video mo yiwdo ndo mo tawata on ko essentiel on non ko dum mi faala o yewtude do on fo po yido vous avez vu cette vidéo qui a circulé qui est d'abord celle qui est consécutive à cette tension qui était au siège du RPG Arc-en-Ciel la semaine dernière. Pour qu'on oublie cette débâcle, pour qu'on oublie cette cacophonie, cette division, cette crise au sommet du RPG, on fait d'une pierre deux coups. Non seulement ceux-là qui se sont indignés, ceux-là qui ont réagi négativement par rapport à cette vidéo, qui ont commencé à faire des injures et proférer des injures, à l'encontre des sages ou de certaines personnalités de la Pascotte, sachez que vous êtes en train de tomber dans le piège fait à la fois par certains éléments, par certaines personnes, une poignée de personnes au sein du RPG qui veut nous détourner de l'essentiel, mais en même temps aussi le CNRD qui joue l'indifférence et qui est resté muet parce que ça fait leur affaire. Faites beaucoup attention, ne vous mettez pas à insulter ces sages. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé lors de cette rencontre. Vous ne connaissez pas quels sont les tenants et les aboutissants. Si justement c'était la Bascotte qui était allée saluer M. Kassori Fofana, est-ce un crime? Est-ce que c'est la première fois que des personnes se réunissent pour aller saluer l'un des leurs? À mon avis, ce n'est pas un problème. Nous avons tous suivi lorsque ces deux leaders politiques ont été expropriés de leur maison. L'élan de solidarité de part et d'autre de toutes les communautés, de toute la Guinée entière chez ces personnes-là. Est-ce que cela a indigné quelqu'un? Est-ce que cela a constitué un problème? À mon avis, non. Pourquoi alors vous allez faire tout un tollé autour de regroupement dans un salon? Pourquoi est-ce que cela peut vous ébranler de cette façon-là? Vous êtes en train de faire d'abord la promotion d'un individu, d'une personne, d'un groupe, d'une poignée de personnes qui veulent se faire une place au soleil et montrer justement que Kassori est un risque pour vous. Vous qui êtes en train de faire cela, vous êtes déjà tombé dans le piège, le premier. Le deuxième piège, c'est celui justement de diviser les Guinéens et de faire croire que c'est parce que vous êtes contre la Bascotte ou les Soussous que vous vous érigez contre cela. Ne tombez pas dans ce piège. Le troisième, justement, lorsque nous sommes divisés, ça fait l'affaire du CNRD. Or, notre objectif, ce n'est pas le RPG. Notre objectif, ce n'est pas l'UFTG. Notre adversaire, ce n'est personne de ces personnes-là. Ce n'est aucun de ces groupes-là, mais plutôt le CNRD. Cette nébuleuse. C'est cette nébuleuse qui reste silencieuse face à tout ce qui se fait. Sinon, comment comprendre qu'il y ait une bagarre dans un siège de parti politique et qu'il n'y ait pas de fermeture de ce siège? Comment comprenez-vous que cette CRIEF agisse pour, dit-on, condamner des crimes économiques, et que M. Kassori, justement, qui traîne des casseroles, que lui, il sorte de cet entretien avec la CRIEF et qu'il dise qu'il est blanc comme neige? J'ai envie de le croire. Comment pouvez-vous comprendre que le CNRD qui dit être venu parce que la situation politique économique du pays était la plus désastreuse et qu'on permette la réhabilitation à la tête d'un parti politique de quelqu'un qui a été premier ministre pendant 3 ans et quelques du régime qui est déchu? Comment pouvez-vous comprendre cela? Mais c'est parce que ça fait l'affaire du CNRD que le CNRD est en train justement de dérouler son calendrier. Soyons très intelligents, ne tombons pas dans ces petite combine politique qui ne nous fait plus peur. Soyons très matures politiquement, sachant que c'est une manipulation. Partagez ce direct parce que mes wola yoni pour la ronkade. Koko wadido, mi fala yon famu pigi dan. Be yaltu bedo inni ino yennu de ino sonku de parce que metibe kobe yido kon 3 contre 1 kadi ino mo inade. Femme, on va dire de publicité, on va dire déjà casse au faut faire la publicité. Sinon, quand on a parti, on a dit que le mari est né.
ko en nayi hiɗe hoore dow toon ɓe ronku andude ko hoore hannde iwtirte ɓaawo, hiɓe ndaarude non on tawa wo hulɓinayi hannde UFDG ɓe iwtira ɓaawo on ɗon ɓe fero nongol borongol forowol ɗo on fof aɗon glison e maggol ɗo yano très banalement comme ça. Sinon ko woni e feƴƴude kon RPG fewndo ɗo c'est catastrophique à l' intérieur. Gere waɗi e nder siége nder toon piirama micro ji lancama julle helama yimɓe barminama e nder ɗum ɗon onon iɗon jooɗi ɗo ko parti tawɗo ko complètement agonisant woni on e hulɓinde mais c'est quand même extraordinaire. On holli ha on to jakayna on sere mais évidemment toujours ko ni ella on sakite yewtere nden 3200 personnes mi fala en heɓu 10000 personnes nanoɓe nde yewtere ando fama ella fokkituɗo on mi yettike on si ɓernde nden gidi goɗɗo enen noon ko non wawɗen fewdo ka focca ɗen noon si loyru ndun naati fop immino waɗa ñoo sonka e nder noon ko sonketee ɗon woɓɓe yalta wowla haala ka duwanoka wowlede ɓe falja ɓe tukka yimɓe aren noon joni noon ka tukkugol ɗo yewtere nde mi fala en watta yila e muɗum nden. L'imam de la mosquée de Faisal, il était présent dans ce salon. Mais est-ce que vous vous êtes posé de questions, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce salon? Est-ce que vous avez l'intégralité de son discours? Est-ce que vous connaissez les tenants et les aboutissants de cette réunion pour que vous vous indigniez ou pour que vous vous offusquiez de sa présence là? Nous sommes d'accord qu'il y a eu des propos ethniques dans cette rencontre. Mais pensez-vous que cette rencontre représente toute la communauté Soussou? Pensez-vous que cette rencontre soit celle qui est la représentative de la noble ethnie des Soussous? La réponse est non. Et pensez-vous qu'en vous attaquant à ces sages, vous êtes plus sages que ces sages? Pensez-vous qu'on nettoie la boue par la boue? Ali Jamal Bangoura, qui est le Fangadama du régime de faim, êtes-vous surpris de ce qu'il dit? Pensez-vous que ces personnes-là qui ont parlé, est-ce qu'elles ont parlé au nom de leurs institutions? La réponse est encore non. Méfiez-vous de ces précipitations dans la réaction lorsqu'il y a une action. Parce que lorsque vous le faites, vous tombez dans le piège. Ce piège qui consiste à diviser les Guinéens pendant que nous sommes en train de les rassembler, vous êtes en train de faire un dégât à vous et à toute la Guinée. Cette femme qui s'appelle Hadja Nantou Sherif, elle est en train de faire son intérêt. Si elle est en train d'imposer M. Kassori, ce n'est pas parce que le RPG en tant que tel aimera M. Kassori. Il faudrait que vous sachiez cela. Sachez que les vrais militants du RPG sont quelque part en train de faire en sorte de recoller le parti. Hadja Nantou Sherif, lorsqu'elle a été chassée de sa résidence, c'est M. Kassori qui l'a hébergé. Ça, vous ne savez pas cela. Donc, si elle est en train de dire que M. Alpha Condé a fait un manuscrit dans lequel elle a porté son dévolu sur M. Kassori, attendons de voir. Pendant ce temps, qu'est-ce que le RPG fera d'un certain Saloum Cissé? Qu'est-ce que le RPG fera de sa jeunesse? Cette jeunesse qui est contrôlée en grande partie par un certain Dabo qui est du côté de Cancan. Que feriez-vous de la sortie de M. Malik Sankon sur les ondes de Mirador? N'est-il pas du Montréal lui aussi? N'était-il pas un membre du RPG arc-en-ciel, M. Sankon? Posez-vous les bonnes et les vraies questions. Ne cédez pas à cette manipulation, ce montage. Ce montage dont vous parlez, est-ce que vous avez reconnu la voix de celui-là qui était en train de parler de cette rencontre? Vous qui suivez la RTG, vous n'avez rien reconnu d'abord lorsque le CNRD est en train de faire ses présentations vidéo. La musique qui accompagne cette vidéo, vous ne l'avez pas écoutée? Faites attention mes frères et sœurs, faites attention Guinéens. Ne tombez pas dans cette manipulation.
Continuons maintenant le débat concernant ces sages qui étaient là. Partagez le direct. Wanno be ben e on salon don hajja nan tu sherif bay rada maka sudumu ko monsieur kaso rivernimo donc on non ko prête wallita gol monsieur kaso rifino o wawa wonirde ka hore RPG arc-en-ciel mais est-ce que RPG arc-en-ciel on tigi tigi wiabe ben ko RPC RPG o humpiti ge ben ko on dum woni e wado de fewndo ni ni hotti gine be wiabe ben tigi ko soso be mako moria tigi. On nani Malick Sanko ko yewti kon par rapport e au gouvernement do yanudo et par rapport ka be yetti kon on don be wadimo Malick Sanko taw tori ke jama on yo yaako mo bonnere ne be wadi de kiri di bangula ko mboni andamo d'ailleurs do mi fala yon famu Elhadj Mohamed Saliou Camara be mari biddo mi andas ko jano mabbe on ko États-Unis o jangi. Ko monsieur Kassori wernunomo wallitimo kañum kadi États-Unis fi hébergement makko no jangira Alhadj Mohamed Saliou ko yawno ko duana gol mo fi dum weltanomo. Maintenant il y a une question ko no wadi si ko ndeññande be immi be yehi be tawdu ido be piège ka be piège ka yewtere mabbe ne be yewti den fo est-ce que on naninde certes elle mabbe woni ton parce que en tant que religieux be droit ka wiugol wonde ma. Si tu as RPG, tu as un parti pour le dol. Mais oui, tu as un parti pour le dol. Tu as un RPG qui est un parti pour le dol. Tu as une élection de l'année. Tu as une élection de l'année. Alpha Condé, tu as un coup d'état. Tu as un manifeste. Je m'adresse ici très respectueusement à mon très respecté imam de la grande mosquée de Faisal. Pour lui dire de faire beaucoup attention parce qu'il est victime de manipulation. Pour rien au monde, il ne devait tomber dans ce piège de manipulateur. Ces manipulateurs qui veulent qu'il soit utilisé pour insulter d'abord les sages, pour insulter la plus grande autorité religieuse musulmane, parce que tout simplement, il ne sait pas dans quoi il est en train de s'embarquer. Elhadj, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui je sais qu'il avait dit qu'il ne veut pas les Guinéens français, qu'il ne veut pas les Guinéens sénégalais, il ne veut pas des Guinéens ivoiriens, il veut des Guinéens guinéens. Ce qui veut dire qu'il veut que quelqu'un qui a à cœur la Guinée, quelqu'un qui ne laissera pas le pays brûler. Si tel est réellement le cas, Elhadj, sachez que بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Si les mosquées et ceux qui représentent les mosquées ne doivent appeler que pour Dieu, faire la campagne pour Dieu, le simple fait de vous retrouver vous dans le salon de monsieur Kassori Fofana et de prendre la parole pour parler le peu que vous avez parlé, vous enlève cette autorité, cette neutralité dont vous devez faire preuve à l'âge. Vous êtes un camarade, certes. Je suis ainsi là. C'est pour détendre l'atmosphère que je vais sur ce terrain pour vous dire que c'est votre fils qui s'adresse à vous. Ce fils qui est aussi doublé d'élèves et d'adeptes. J'ai du respect pour vous. Ne faites pas en sorte que des enfants vous insultent parce qu'ils ont mal compris ce qui vous est arrivé. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation de transition, c'est parce qu'il y a eu un gouvernement qui a échoué. Et ce gouvernement qui a échoué avait à sa tête un premier ministre qui a fait 3 ans, 4 mois. Du 21 mai 2018 au 5 septembre 2021. Faites le calcul, Elhadj. C'est celui-là qui avait dit qu'il préférait l'ordre à la loi et qui avait menacé de démissionner si on diminuait le prix du carburant. Et vous, vous dites que vous voulez quelqu'un, Naram Bori Rimbelima, Naram Miskine Fei Fama, Anou Monsieur Kassori, Mounanara. Vous, Elhadj, vous avez une plantation. Je suis allé visiter cette plantation. Je suis allé chez vous, Elhadj.
Lorsque le syndicat des transporteurs en 2013 faisait le sacrifice à Mambia, c'est vous qui avez envoyé votre jeune frère qui vous ressemble comme deux gouttes pour être votre représentant à cette rencontre. Je vous connais et vous me connaissez. Je sais votre probité, votre moralité. Je connais que vous êtes un homme impartial. Mais comment avez-vous laissé ces individus vous manipuler de cette sorte? Comment pouvez-vous dire que le RPG aujourd'hui, c'est le parti le plus fort en Guinée? C'est ce qu'on vous fait croire. Et on vous fera croire que les anciens sont les mauvais. Monsieur Kassori n'était-il pas un ancien premier ministre? Parce qu'on a mis dans votre esprit et l'âge que c'est parce que le pays est en retard parce qu'il y a eu des anciens premiers ministres qui ont mal géré le pays. C'est ce qu'on vous dit. Monsieur Kassori a été ministre du budget, ministre de l'économie, de 1996 à 2000. Avant d'être premier ministre, pendant encore 3 ans et 4 mois, je le répète. Lui, il a appartenu à deux régimes, Conté à Condé. Et de surcroît, il est accusé d'avoir fait un détournement de biens publics, d'argent pour être plus précis. Comment vous, hélas, qui sanctionnez et qui faites, vous qui faites des prêches dans les mosquées, qu'on ne vole pas, qu'on ne triche pas, et que vous vous associez ne serait-ce que faire une prière conditionnelle, si il n'y a pas de si à faire, hélas. Monsieur Kassori, aujourd'hui, devait répondre de ses actes. Le fait que vous vous déplacez chez lui n'est pas mon problème, Elaj. D'ailleurs, vous montrez aux autres régions de faire autant. Lorsqu'on a exproprié les deux leaders, j'ai vu Elaj Mohamed, Elaj Fadiga, au niveau de ses maisons de leaders. Il a fait preuve, justement, de hauteur. On a vu toutes les communautés venir chez ces leaders parce qu'il y avait une situation. Mais est-ce que c'était le cas chez M. Sakassori? Quel était le soutien dont devait bénéficier M. Kassori en allant chez lui? Toutes ces personnes qui sont venues n'ont parlé que de deux régions, qui est le Manding et la Basse-Côte. Sont le Mandentang et le Mandenfou. C'est mal connaître l'histoire guinéenne. Parce qu'en foot, au Fouta aussi, on dit Naï lorsqu'on dit Nani. Et la même chose en forêt, ils disent Nani. Ça, ce sont les forestiers qui parlent. À votre avis, pourquoi toutes ces 4 régions, au niveau du 4, disent la même chose pour 4 régions? Vous pensez que c'est fortuit et l'âge? Je m'adresse à vous en fils pour vous dire ne soyez pas cet instrument de propagande qui vous fera perdre l'honneur de cette religion que vous représentez aujourd'hui. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Faites beaucoup attention à ce passage, Elage. Ce que vous nous avez enseigné n'est pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou de vous laisser faire. Hélas. Je ne m'adresse pas aux autres. Jamal Bangoura, Moalim et tous les autres, je ne m'adresse pas à eux. Parce que pour eux, c'est connu. Mais pour vous, nous vous donnons le bénéfice du doute. Que si vous êtes le premier imam d'une grande mosquée comme Faisal, c'est parce que vous êtes à la hauteur. C'est Dieu qui vous a choisi avant que les hommes ne vous choisissent. Parce que c'est Dieu qui a mis la confiance en vous pour qu'on vous choisisse. Satan n'a pas besoin de clé pour ouvrir une porte. Il a juste besoin de la porte pour lui-même faire sa serrure. Ne vous approchez pas de cela. Si vous vous approchez de cela, vous allez vous salir, Elaj. Et pour le moment, pour moi, vous êtes un nom propre. Comment comprendre qu'on choisisse un seigneur Robert Sarah, sur un religieux comme vous? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Combien de fois aujourd'hui, cette religion, elle est laminée?
elle est aujourd'hui salie par certains individus qui ne sont pas du tout représentatifs de cette religion. Ne faites pas ce jeu, et là, je m'adresse à vous respectueusement. Maintenant que je me suis adressé à vous, je veux m'adresser à ceux-là qui commencent aussi à vous critiquer. Qu'ils sachent que ils se sont trompés sur votre personne. Et donnez-moi raison, Elage, qu'ils se sont trompés sur votre personne. Vous devez sortir et vous exprimer, faire la part des choses comme l'a fait Elage Sekhouna, en expliquant que ce n'était pas la basse-cote qui était là et que ce n'était pas un soutien politique qui se faisait là. C'était des guerres d'intérêts qui se faisaient. Alors, on a dit non, jamais famé. Autant utiliser yen non, parce que bébé yen non, non, qu'on représente le dîner quand on a dit yen non dedans. Et n'est pas ta homme au tête d'une homme à tuer. Il n'a pas de mède. On n'a pas de dîner, on n'a pas de dollar. N'a pas de mède à tuer. Et tel est ça, yen ni maudo goto, goto ga yen na yori maudo madan. Wonara birio fori kombi. Parce que naran yo biri fori kombi, akanyi fang wora fori kombi ma. Wonara tinama. Toute la Guinée, c'est une famille. Même si dans la pratique, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas parce que c'est une pratique qu'on va en faire une règle ou bien une norme. Ne tombons pas dans ça. Je vais justement inviter ici un natif de la basse-côte, quelqu'un qui va parler et qui vous dira ce que nous étions en train de faire lorsqu'on vous dit fait, pas fait. Il va s'exprimer ici. Il vous parlera de ce qui est en train de se faire réellement. Quelles sont les démarches que les enfants de la basse-côte ont fait? Mais avant cela, rapidement, mais en dit une autre au pays, il t'a dit à nous des femmes de haut rencontre d'eau. Puis on a un coup, mais soubi, mais d'eau, mais c'est qu'à souri, mais wali jamaon, parce que Hande Kadi, quand il pèse, comme on a eu dit, on ne veut plus des anciens premiers ministres, on ne veut plus des vieux, il faut renouveler la classe politique. RPG sous KB, mais non, c'est à qui l'on a dit. C'est que Hande Kadi, quand on a l'on wali, qu'à la gisèle, l'on a tori, l'on s'y dit à Natori, l'on est calabé, n'a eu. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, on. Ko hanu den famu de do mo tawata CNRD on do yaltu de wola fimu si tawi ko gonga CNRD o yalti parce que situation lady la Guinée ding hari boni ko do wadi sibe wadi coup d'état on premier ministre jo on gouvernement don wawata su e de premier yo la présente pays parti harana nafa mabbe be mari derto andon non ko be woni wadi de dum do ko habe gayna bonnindirde hakkundeji meden candidat jo mabbe on nongi be mari mo on tuma non be yaltino yamo ko woni ko leuru be woni utilise de habe gayna bonnu de be yaltino ya non hande kadi non finkari mabbe di famé mo jande yewtere do hibe reni parti ji didi no do dolnudi particulièrement UFDG be yi jama on ino nantondirde ko be geru non be bonnindira hakkundeji meden be wawa non andude faux divisama. Crié pour nous yaltino ya dossier di monsieur Kassori ding in ne non kango kadi o yilta ma be yaltino ya non candidat jo mabbe on watta ne yila moja si on anda ko woni ko nderto ngo taw yaltu yennugol mi yimbe no yalta do wada reaction ji son hawji tun ka yewtere ji mon bon nay troisième des choses ko hanu dem famugol si tawi o ya sel right ko gonga o yalta isi goddo wo li propos ethnique ko do non o habba ne yewtere wadunde ka salon don ko propos ethnique ji yewda don ko do non so yaltali o kondani dum do haray kanko kadi il a perdu toute crédibilité. Je reviens encore en français. Les trois leçons que nous devons comprendre de cette rencontre, s'il y a des avantages à tirer de ce choix de monsieur Kassori, le premier c'est celui d'abord de taire le débat sur les anciens premiers ministres et des anciens ministres tout court. Parce que si aujourd'hui le RPG accepte M. Kassori comme représentant du RPG, que les jeunes du RPG se taisent à jamais par rapport à M. Sélou Daré et M. Sidya Touré. Ça, c'est un. C'est un avantage. Au moins, ils ont changé le cours des débats. Le deuxième des choses, c'est que si M. Charles Wright
a promis de sévir contre les propos ethnocentristes s'il est sincère dans sa démarche et qu'il est libre dans ses actes. Ce genre de propos est à condamner et est à réprimer. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est complice et de ce facto, il perd toute sa crédibilité. C'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, en Basse-Guinée, ils nous ont montré un exemple de ce qu'on appelle aimer son prochain, bon ou mauvais qu'il soit. Parce que vous avez écouté dans les discours, ceux-là qui ont reconnu que M. Kassori n'a pas été à la hauteur. Mais de fermer les yeux sur ce qu'il a fait et de faire avec. Là, je m'adresse à toutes les régions de la Guinée. Vous qui êtes en train de rejeter les vôtres, vous qui critiquez les autres ou qui n'arrivez pas à être unanime derrière une personne, c'est regrettable que ce soit ethnique, même en politique. Mais si la Basse-Côte a montré, ou bien le Moria, ou une partie, ou une poignée de personnes, se sont regroupés derrière une personne bonne ou mauvaise, alors vous aussi regroupez-vous derrière les vôtres, mais dans le but de faire en sorte que les vôtres se retrouvent contre ceux-là qui ont voulu exclure. La Guinée, ce n'est pas l'exclusion, c'est l'inclusion. Et ça donne encore raison à cette idée de fédéralisme. Parce que si désormais chacun doit être derrière le sien, c'est qu'effectivement, il y a encore une bonne raison d'aller vers le fédéralisme. Donc nous soutenons aujourd'hui, plus qu'hier, cette idée de fédéralisme. C'est en discussion, mais je vais faire intervenir ici une personne. Je ne vais pas donner son nom. Il va lui-même vous expliquer, vous dire ce qui s'est passé en ce qui concerne les démarches pour réunir tous les Guinéens ensemble. Il va s'exprimer ici. On n'en a d'aujourd'hui qu'au Yéotatakon. O mo tawata do no andina yo bebe be famina ni on do wonde mako baskot wonde mako moria woni ko yidi do on nanay kanko ko wolta kondo o yewtaw telefono no sonde do so jetti ko kanko woni invité jo meden on o andina on do ko ha on to piège no wada hore meden piège on famin do wonde ma kambe do be nantoniri. Voilà, en ligne ici nous recevons monsieur Bondez Bangura Ikena Mangue. Eh, nous marinara, eh, à Odie, 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 à Colombé, tant Yaninaya. Quoi, Moussour, Sindé? Voilà, on va aller en français parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre, on va mélanger les deux. Je voudrais que toi-même, mon cher frère, que tu te présentes et tu dises où tu es et avec qui tu es et qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu dans cette vidéo aujourd'hui qui est en train d'être déplacée de son contexte. Et qui veut mettre une tension pour diviser les Guinéens. Qu'en penses-tu? Écoute, merci de m'avoir invité dans ce débat, dans cette vidéo. Alors, je dis bonsoir à tous les auditeurs. Hein? Merci à eux pour leur soutien, pour leur encouragement qu'ils nous font, qu'ils ne cessent de nous donner apporter chaque fois, puisque moi-même faisant cela. Donc, je suis Bangoura Moussa Modba, fils digne de la Basse-Guinée, de la Guinée tout court. Merci mon frère et bienvenue. Voilà, actuellement, je suis en France, je suis à Nantes, et là, actuellement, j'ai une mission de la Basse-Guinée avec mon frère, mon grand frère Malik Camara, Le des seul camarade États-Unis. pour lequel nous faisons un garde-à-vous en tant que Silla. Ben voilà. Frère Voilà. Malik Alors, comme Ikena. attends, même avant la mini Kansan, avant la Kansan, Ah, Wasago, Malik, Malik Camara, Amane Kansan, oh maman. Voilà. mon frère, le fier, le guerrier, Ouais, le lion, le seul. mais donc, Voilà, allons-y. donc voilà, nous sommes donné comme objectif de rassembler tous les fils de la Basse-Guinée, puisque
Par ailleurs, c'est nous qui ne sommes pas réunis, nous ne parlons pas de d'une seule Demain. voix. Oui, effectivement. Voilà. Donc, nous sommes donné cette mission pour rassembler tous les basse-côtiers et d'autres, pour que désormais, que nous sortions ensemble et rentrions ensemble. Tout à fait. Voilà. Bon, s'agissant de cette vidéo, je ne voudrais même pas, moi, en parler, si ce n'est pas parce que tu me poses la question. Moi, c'est un non-événement. Je Ça, sais, je sais, je voilà, sais. En fait, mon frère, c'est l'actualité qui nous oblige. Sinon, moi non plus, je ne voulais pas en parler. Mais tu sais, quelqu'un qui voilà. allume un feu de brousse, tu connais les dégâts. Donc aujourd'hui, Je sais. cette vidéo est en train de faire des dégâts qui risquent d'émietter le tissu social et de mettre à l'eau toutes les démarches que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui. Moi, je dirais aux uns et aux autres de faire beaucoup attention, de se méfier de la manipulation. Au fait, la génération que nous sommes, nous devons aujourd'hui nous remettre en cause. Si nous sommes arrivés à ce point de la politique guinéenne, c'est que nous-mêmes, nous avons contribué à cela, quoi. Tout à fait. Il faut qu'on arrête, d'accompagner la médiocrité, le Tout à fait. mensonge. Tout à fait. C'est ce que les basse-côtiers se sont donné comme objectif. On ne va plus accompagner le mensonge. Merci. D'ailleurs, notre mission, elle est apolitique. On ne parle pas de politique, nous. Et voilà, malgré que quelques-uns parmi nous donnent leur opinion par rapport à certaines, comme cette vidéo qui circule maintenant là, mais notre mission est apolitique. Tout à Nous ne fait. travaillons pour personne. Personne ne nous a envoyé. Tout à fait. Nous travaillons pour nous, avec nos petits moyens, que j'appelle petits moyens, les petites cotisations que nos parents, nos frères et amis donnent. Alors, nous ne travaillons pour personne. Hein? Tout Et à fait. si cela arrivera, nous reviendrons vers nos parents, ensuite leur sonder pour que aussi, ensemble, que nous puissions choisir ensemble une seule personne Tout à fait. et voter pour la personne qui conviendra. Tout à fait. Alors, c'est ça. Basé sur des intérêts objectifs et non ethniques. Objectif Tout à non fait. ethnique. Voilà. Donc, Voilà. vraiment, c'est ce que je voulais que les gens entendent et qu'ils comprennent. Et je voudrais mentionner que le frère Malik a quitté les États-Unis de ses propres frais. Il est arrivé, les De ses États-Unis se propres, font. c'est sa fille qui a payé son billet. Voilà. Celle-là appelle à tout moment son papa. Voilà. 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 Donc, comme tu as si Voilà, bien que dit. Oui, les vas-y. gens, qu'on mette les gens à l'aise. Faut pas, bon, connaissant Bundes, peut-être que Bangoura Moussa, bon, bah, les gens ne peuvent pas connaître. Peut-être Bangoura Moussa, c'est les gens de l'Élouma, de Tougué, de Mali, Yembélen qui peuvent connaître. Cela, Bangoura Moussa, mais Bundes Bangoura, c'est tout le monde. Tout à fait. Connaissant moi, je ne pense pas que les gens peuvent avoir ces pensées-là Tout à fait, tout à fait, non. autour de nous. Tout à fait, tout à Moi et fait. Malik, tout a été fait pour qu'on puisse être du côté des uns et des autres. Tout Non, à nous fait. avons refusé. Tout le monde connaît ça. Tout à fait. Personne, aucun, personne, je dis bien personne Ouais, de ces hommes politiques-là. Hein, Ouais, tout à fait. ne peut dire que nous travaillons avec Un homme comment politique. dire, Tout à fait. un homme Derrière un homme politique. politique, oui. Personne d'entre eux, personne, Ouais. personne d'entre eux, personne. Ouais. Et pourtant, nous parlons avec certains qui, comme toi, tu m'as appelé là, qui m'appellent, qui me demandent de ma position, qui demandent qu'on vienne avec eux, mais on ne veut pas parce que la politique, leur politique ne nous intéresse pas. Tout à fait, C'est tout à tout. fait, tout à Il faut fait. que les gens soient à l'aise, hein? Bundes est serein. Et Voilà. Bundes veut la quiétude en Guinée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vraiment, je suis très, très ravi de cette précision parce Oui. qu'effectivement, nous sommes en train de faire une lutte citoyenne, celle qui Oui. consiste de réunir les Guinéens pour que notre pays puisse enfin se développer. Nous avons fait des démarches pour encadrer cette transition pour ne pas qu'elle échoue. Malheureusement, nous voyons qu'elle est en train de tanguer. Notre souci, justement, qu'on arrête d'être des éternels immigrants ou bien des exilés,
parce que chez nous, ça ne marche pas. Aujourd'hui, la Guinée regorge de plusieurs richesses que si nous les mettons en valeur, nous n'allons pas besoin d'être ailleurs que de chez nous. Cette transition, tu sais, le combat que nous avons mené tous ensemble, Tout à on fait. a vu cette transition venir. Hein? Quelque part, le gérant de cette transition ne nous a pas écoutés. D'ailleurs, il a manqué de nous sonder, Tout à fait. puisque nous avons osé parler de la transition avant lui. Il devait, à son arrivée, nous demander, nous poser des questions. Qu'est-ce qui nous a amené à penser, à croire qu'il allait y avoir une transition en ce moment? Alors moi, je me dis que les échecs ont commencé là. Et ensuite, l'entourage, oui, mais il y a aussi le président lui-même. Je ne sais pas si c'est lui qui n'écoute pas ou bien ce sont ses conseillers qui lui mentent. En tout cas, rien ne fonctionne et rien ne prouve que au sortir de cette transition, on aura quelque chose de potable. Tout à fait. Donc, pour éviter cela, justement, il faut que la jeunesse aujourd'hui se donne la main. Tout à Hein? fait. Tout à Toutes fait. les croyances politiques là, qu'on laisse tomber tout ça, qu'on libère la Guinée. Moi, c'est ce que j'avais demandé à Ousmane Gawal à Nantes. Je lui avais dit que ce que je vois, ce n'était pas politique. Il faut d'abord, c'est un groupe de bandits qui se trouvait, comment dirais-je, diriger la Guinée. Il faut donc essayer d'abord de faire ce combat et ensuite chacun ira dans son parti politique. Tout à fait. Mais je ne sais pas s'il voilà Non, ça n'a pas, je n'ai pas été compris. Voilà. non, tu as été très bien compris, c'est juste qu'il y a eu un entêtement, comme c'est le cas pour nous aussi. Nous avons alerté, nous avons sensibilisé, nous avons fait des appels pour que les choses soient rectifiées, mais jusqu'à présent, ils sont sourds et muets. Et nous aussi, nous allons continuer la lutte parce que c'est le peuple qui a la légitimité et la force. Ah, ça, c'est vrai, la lutte va continuer, toi là. C'est pourquoi d'ailleurs nous rassemblons des gens. La lutte va continuer. D'une manière ou d'autre, il faut libérer la Guinée. Tout à fait, tout Il à faut fait. libérer la Guinée, ça doit. 63 ans, c'est de trop. Tout à fait, tout C'est à fait. trop, trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Tout à fait. Aujourd'hui, on nous parle de tuer l'ethnie. Ce qui se passe en Guinée, cela se voit. C'est à vue d'œil. Ce n'est pas ça qui se passe en Guinée aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. On Et nous parle de beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Il n'y a pas une cohérence, une visibilité de la chose à faire. Donc, on n'accepte pas, nous disons non. Tout ce qui se passe en Guinée actuellement, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc, il faudrait que les autorités maintenant, là, s'ils ne reviennent pas derrière, ben, voilà. Il faut qu'ils reviennent derrière, mais sinon, nous allons nous opposer, nous aussi, d'un moment à l'autre. Tout à fait, tout à fait. C'est clair. C'est pour ça qu'on dit fait, pas fait. C'est pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas silencieux pour rien ou bien que nous n'allons pas nous laisser faire. Justement, tu Non, m'ouvres jamais. là une brèche, si tu permets. Le cas de ces prisonniers au niveau de la maison centrale, ces éléments des forces spéciales que nous réclamons à cœur et à cri pour qu'ils soient au moins présentés devant un juge, qu'on sache ce qui s'est passé, ou bien le cas de ces déguerpissements comme Fougou Fougou et Faga Faga. Quel est le mot que tu as à dire par rapport à ça, s'il te plaît? Non, ben écoute, c'est une injustice, remarquez. C'est une injustice. La boussole n'indique pas la bonne direction, ou soit elle est cassée. C'est une injustice, qui ne dit pas son nom. Fougou Fougou, quel projet le gouvernement a actuellement pour que Fougou Fougou soit déguerpi? Il n'y en a pas. Je ne sais pas comment te dire ça. Il y a eu une impression de saper le moral de la jeunesse de Kaloum, je me dirais. Et ça, on ne va pas pardonner ça au colonel. Tout à fait. Surtout quand il a manqué de donner un lieu où les enfants pouvaient aller se reproduire. Tout à Alors fait. que un jeune comme lui, on ne s'attendait pas à ça à lui. Il pouvait, c'est l'État, il pouvait dire aux jeunes, j'ai besoin d'ici, venez par là. J'ai besoin d'ici, mais il l'a pas fait, il a laissé comme ça les jeunes. C'est pour dire qu'il s'en fiche. Ce gouvernement s'en fiche. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Tout à fait. C'est faux. Le déguerpissement n'est pas un projet, hein, à l'ordre du jour. Même si cela était, c'est un acquis. Ça, nous l'avons déjà.
Il y a la Nous avons manière ça, aussi. là, les terres. Non, nous avons ces terres-là, c'est pour nous. Hein? Ça peut attendre, même après la transition, on peut reprendre. Ça, c'est à nous. Il y a des problèmes, il y a de l'argent qui fuit là, qui est en train de fuir aujourd'hui dans les autres banques. Il faut aller prendre ces sommes-là, faire revenir en Guinée. Tout à fait. Et déguerpissement, pourquoi? Déguerpissement, pourquoi? Ce n'est pas ça. Les gens ont vécu, les gens là ont vécu en Europe. Ils savent quand le pays a besoin, quand l'État a besoin d'une partie de terrain, comment est-ce qu'il faut faire? Tout à Donc, fait. pour moi, c'est une manière de prête-moi ce terme, de rabaisser son prochain, hein, de rabaisser son, tout simplement parce que, De le honnir. oui, de l'honnir, et puis, voilà, comment est-ce qu'un chef d'état-major peut prendre des armements, se mettre en tout pour aller, on dirait, part en guerre. C'est pourquoi je dirais, parce que j'ai entendu dans l'énoncé, que je sais pas, c'est la Russie qui demande de l'aide. Il faut, je dis ici, de mettre dans le convoi le chef d'état-major de l'armée là qui n'a jamais fait, Justement, voilà. s'il est fort de quelque chose, il peut aller montrer ses S'il est fort muscles de par quelque chose, il ici. n'a qu'à aller faire, parce qu'il ne connaît pas le front. Si c'est Justement. comme ça, lui, il s'arme pour aller s'affronter avec ses compatriotes. Ou Il bien n'a qu'à aujourd'hui aller, les il n'a coupeurs qu'à de le route ou permettre. bien ces preneurs d'otages, ils peuvent aussi aller vers eux. Aujourd'hui, nous sommes dans une insécurité totale en Guinée. Les Voilà, kidnappings. voilà. Ouais, les kidnappings. Donc voilà, toi là, en résumé, il faut dire à la jeunesse qu'on se donne les mains. D'accord. C'est bien. La politique là, mettons ça de côté. Parce que l'heure est grave. Quand on va finir de libérer la Guinée, je dis bien libérer la Guinée, chacun ira dans son parti politique. Tout Mais si nous restons dans les partis politiques pour faire un combat, nous n'arriverons jamais. C'est ce qui se passe là. Tout C'est à fait. parce que Bundes se dit il est partisan de tel, Tola est partisan de tel. Alors, comment Tola et Bundes peuvent? Il faut que Tola et Bundes arrêtent d'être partisans des partis politiques, venir être simplement guinéens et faire un combat. C'est voilà Pas pourquoi ce que je justement nous demande. avons créé cette plateforme, le FRAP, qui est le Front Ouais. Républicain pour des actions patriotiques. Et je sais que tu en es pour quelque Voilà. chose. Quel est ton avis là-dessus? Je suis membre à part entière de Frappe. Je suis membre à part entière de Frappe. Qui sait d'ailleurs si ce n'est pas moi qui vais diriger Frappe? Parce que nous Justement, voudrons. Non, mais je te dis. Parce justement. que moi, si je te dis tout de suite, toi là, je te dis. Je te l'ai dit, moi, quand je m'engage dans quelque chose, je ne veux pas d'échec. Non, tu Alors, sais, tu sais, tu as arraché. pour diriger Frappe, je suis prêt parce que j'irai jusqu'au bout. Tu sais, Voilà. justement, ça tombe bien parce que le frappe, les gens qui pensent que c'est Tola qui a déjà créé ça pour Non. s'attribuer, c'est mal Non, connaître non, non, la non, non. force que nous avons Non, 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 aujourd'hui. non. Tout le monde est dedans. Tout le monde Justement. est dedans. C'est parce que nous avons pensé que le FNDC, surtout, j'ose dire le nom, prononcer le nom, la mission du FNDC était finie, donc il fallait créer une autre structure qui puisse affronter. Exactement. Voilà. Exactement. Et nous profitons de l'occasion pour inviter le FNDC à se joindre justement à nous, toutes les Mais structures bien qui se sûr, ils n'ont battent. qu'à. Oui, Oui, vas-y. mais bien sûr, on invite tout le monde à venir avec nous pour que très prochainement, pour qu'on puisse commencer le combat ensemble. Tout à fait. Je Tout pense que le monde, ton tout appel le est monde, bien toutes entendu. les structures. Voilà. Tout à fait. Ton appel est bien entendu et je pense que parce que là, ce n'est que toi avec qui on a parlé ici, les auditeurs ont entendu, mais le frappe également, c'est la Guinée forestière, c'est la Haute-Guinée, ça peut étonner certains, mais nous sommes aujourd'hui présents partout et nous sommes une force aujourd'hui qui mérite d'être soutenue parce que chez nous, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas le parti, c'est la citoyenneté tout court et nous voulons libérer notre pays des mains de ces gens qui sont en train de nous mettre en retard. Nous diviser et profiter de nos richesses pour nous appauvrir. Oui, bien sûr, toi là. Écoute, moi, je vais te laisser avec tes milliers d'auditeurs là. Tu es le plus vu actuellement. Félicitations à toi. Merci à toi Et aussi, merci. dire aux milliers d'auditeurs de se préparer pour des manifestations, Tout à fait, ben, des tout à fait. manifestations civilisées Tout à cette fait. fois-ci. Merci beaucoup, mon Pour cher. ne pas que.
Merci beaucoup. Merci Bonne vraiment, soirée. je salue et je dis au grand frère qu'aujourd'hui je suis tôt la Camara, exceptionnellement pour lui. Pour justement faire son plaisir. Malik Camara, toi l'as dit qu'il s'appelle toi la Camara aujourd'hui. À cause de ton Exceptionnellement. combat. Merci beaucoup, mon frère. Toi là, Mais note de fait. parce que, I'm telling you, we need to talk. We have to talk. We're gonna have that chat together. Don't worry. I'll be calling you after this live. Okay, I'm waiting for your call anytime. Don't worry about it. Just give me call. No doubt, no problem. It's gonna be with a big pleasure, bro, a big brother. I got it. Thank you very much and enjoy your meal. Don't Voilà. Ko bangura woni on e yewtude ɗo na dey tricage ko bangura ni. Merci beaucoup mon frère. Min ko tuge de non mi jangi. Mi waɗi CEP ya ngon. E lelu ma école Petel ko mene mi jangi ton kadi. Awa. Merci beaucoup vraiment. Mi weltani ke ma moƴƴa moƴƴa no. Donc voilà, il n'y a pas chez nous à dire tel c'est faux. Tout Là, c'est des pensées politiques. Là. La Guinée est une famille, j'insiste. Et j'ai des preuves. Tout à fait. J'ai des appartements partout en Guinée. Tout J'ai à une fait. marate qui est forestière. Ma soeur, elle est malinké. Ma femme, elle est peul. Moi, je suis soussou. Maman est d'une appartenance malinké. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu es guinéen Hein? tout court. Tout court. Voilà. J'ai la morale peul. J'ai grandi au Fouta. Bah, écoutez, il faut que les Guinéens arrêtent. Tout à fait. Arrête, unissons-nous, il faut que tout cela cesse maintenant. Unissons-nous. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. c'est pourquoi les jours à venir, nous allons faire un grand appel, hein, pour conscientiser la jeunesse. Il faut que les gens arrêtent de se regarder en chien de faïence là. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Tous des Guinéens, tous peuls, tous malinkés, tous soussous. Tous bagarres, tous simplement guinéens. Tout à fait. Voilà, frappe, c'est ça. Tout à fait. Voilà, Merci beaucoup vraiment. allez. Merci beaucoup. Merci sincèrement et profitez bien de votre dîner. Voilà, on a dit au yeuter nden do. Ido ko golleji tawdi din haray di kan der yewtede no golleede parce que on a dit au Bundes ko yewti ko. Bundes nono wonande ma andu be ben ko woni Bundes no andi ko ndu woni hande representativité mo Bundes jogi on andu be ben kadi frère Malik Camara no andi ko woni Malik Camara hande do ni e nder communauté basque ton donc nde be yalta do be famina no wonde ma soso be ben ko contre fulbe ma dum soso be ben fopi yehi sengo ka RPG parce que be fala forme de décret 3 contre 1 dum gasata do hande kadi Donc o taw nangu yanugo le OPS ka be famin taw ndo be naw yewte wi male be ki ma charger bak walline de yewtere few justement be wombe waltinde kan hala ko wombe wadude fino habiren hakkundeji mede na mere gere on wadirno fore karia hakkunde UFR e UFDG ko paske din non didi hari on tuma idi representi mo kala community si be do non didi do inama pirama sino konno wawi on famude Élection, yo wadu premier, on heba 40 et quelques pourcents. Deuxième, on heba 18%. Troisième, on heba terlen 13%. Quatrième, on heba terlen 4%. Cinquième, on heba terlen 4%. Cinquième, on et troisième, on et premier, on hauton dira peron ka hebu de 52%. Kon no wawet on famu de dundu. Watana yila moja. Se watana yila, toujours e gollirey de perde meden ko tawata kon e yiay tum pour hoccodo den e babbe awa so yime den ginna on fe fa fe golle frappe den hide wadude on rena tu woni taw parce que me yalti tali taw ka kene fu me yaltinali dole den fo si me yaltina ni on dole den fo on andi kadi bebe hot gine tigi wona be sikkede do no tawti
au régime do ma wonbe ben kari ka fore nyande ben don kari men addi be do be yewti on tawa gere on ko lannudo CNRD on non faminana yon kambe hibe maîtrise situation on be waddindira on hakkunde jimaydi yeggiten essentiel on bonnen non hande do mo kala ino wa ettude camera o mudum kun activa direct mudum jodo yewta ko fala jango be wadana en do yewtere se Allah jabinde tawata welo taw on non hattande weli raw mi yeto to en gongaaji din probleme ji ko mar en gong ka gite amen ko mar en gong e der leñol futangol fulbe be ngam priority mi anditi na en non do futa na pullo tun futa ko pullo soso maninka e foresi ko mo anda on non sikki futa ko pullo tun ma on fala lo bonnude woni e faminde pullo ko futa tun o woni hande pullo ino e lagine fu no woni no pullo ino e region on fu no woni no pullo ino e mondo fu a o sabanne manon imo e dido fu himo jomo ndiri kadi e dido fu wattane yila jango si Allah jabi mi ara mi yewta en do kongo mi yewta ta en kon do no mi wiri on non son gentori lam bernde on sikka mi yennio ma wo be ina ko fenande mi woni wolde ono sen jertori lan hakkil mi hollay en taw parce que toujours yimbe ben no wiide yimbe ben yida en yimbe ben no agni en yimbe ben ko contre men est ce que non en tiki en darti ke enen on ko hondum woni enen ko mar en gon e ko honno wonde warrude ngurnda medena sen daari dum do moja en taw ay jaka probleme on ko si e reglise ngo meden en taw ay ngala da probleme luttube ko woni e manipulate woni si o manipulation e ngakimo o problème fou iway haram tori ki Allah yo wonu ballo meden yo hawri dingi e sawaba o yafoto yewtere nde mi wadi do nden si tayino nde wadi non nde welirali on yetten example on non hande do e be arbe do tawti do kasori fi kala ko bonno do kanko kono yi e souteni mo e bonnere makko ne en non hande do ko ful e jelu fouta wona e wiede no tukkede hande do hino bugitede no hawkede no waddinirede jango mi jonno e din detaaji don sallaje.